Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, les potos. Donc, je vous présente un de mes frérots, Aurel du 9-2. Salam la mif. Donc, si cette vidéo, je suis pas bourré, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai bégayé, les gens ils vont croire que je suis raide. Si je commence cette vidéo par cette présentation, c'est pour, comme toute nouvelle série que je fais sur ma chaîne. Donc, c'est pour vous présenter un petit peu le nouveau projet, la nouvelle série que je vais vous présenter sur ma chaîne. Donc en fait, déjà je vais faire une bonne dédicace à un autre de mes frérots qui se nomme La Crise. Donc, dédicace à toi parce que en fait, là ce message est adressé pour toi. Donc, j'ai décidé de redonner vie aux Rascals. Donc les Rascals, c'est bien sûr ça te parle. Donc en fait, pour les gens, Rascal est une série qu'on avait lancée dans les années 2000. On l'avait appelé Rascal parce qu'à l'époque, en 2007, si je m'en souviens bien, j'avais un caméscope et on filmait mais vraiment toutes nos soirées, nos sorties. Et après, je faisais les montages avec un générique et tout bien propre. Et du coup, j'ai les DVD, donc je vais pas les mettre sur YouTube et tout parce que je vais pas remettre non plus tous les... Parce qu'il y en a tellement, on en a fait tellement, je vais pas remettre tout ça sur YouTube. Mais par contre, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de redonner vie au Rascal, car ça va être une série en fait avec pareil nos sorties, nos délires. Vous allez voir, vous pourrez nous suivre et bien rigoler, je pense, parce que nous, on reste jeunes dans nos têtes, comme on dit. Donc voilà. Et donc pour ce premier volet, ce premier Rascal, on va partir aux eaux de la Flèche. Et vous pourrez nous suivre dans notre folle aventure première. On va aller chasser de l'antilope. Voilà. Des nouveaux singes que vous n'avez jamais vus. Voilà. Donc pour la présentation, je vais pas rester trop longtemps parce que le truc c'est que voilà, il y aura pas de présentation comme ça sur toutes les vidéos. Hein, c'est juste pour vous présenter le nouveau projet, la nouvelle série. Et donc du coup, notre série qui s'appellera Rascal, et puis vous pourrez nous suivre dans les délires, les sorties qu'on va faire, les trucs comme ça, et ça pourrait être bien marrant. Je vous dis, nous on est déjà à l'apéro, tranquillos, voilà. Et n'oubliez pas de liker si vous kiffez, mais vous avez bien rigolé. Je pense, parce que là, aux eaux de la Flèche, il n'y aura que des flèches. J'ai fait le tout. À bientôt pour nos nouvelles aventures des Rascals. Yes, c'est comme ça qu'on parle. Allez, tchuss la mif. À tout de suite pour le premier épisode des Rascals avec le zoo de la Flèche. Allez, salam. Déjà ? Oh. Oh. Bon. C'est l'heure d'aller chasser de l'antilope. Oh. Voilà. Déjà ? Putain, 5h30. Pouh. Bon, on va aller chasser l'antilope maintenant. Let's go, Zubby. Bon allez, c'est où la lumière? C'est où là? Putain, allez, une petite garros là, une petite clope, et après c'est y part. Bon, il est tôt, je le sais, mais faut se lever tôt quand on est des braves. Sur ce les gars, nous allons arriver au safari dans quelques heures. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, ça y est. Je vais aller voir si mon frère au chevelu est réveillé.
Sartek. Alors. Déjà levé, c'est bon. Prêt pour aller chasser de l'antilope. Au taquet, au taquet. Bon, bah tu sais quoi, je vais aller me préparer là, prendre une petite chedou et puis c'est bon après, on y part. Vas-y, ça roule. Ok, allez, attale la bif. Attale. Bon, à quoi de boire la télé là? Oh putain là, du Brésil dans le football. 95-79. Ah, petit basket, tiens, on a vu une basketteuse aussi hier. On va terrer le nom. Ça va revenir, deuxième chance pour Mathéo. Le petit prochain terrain. Il faut sportif hein, dès le matin comme ça là. Avec cette fois-ci un corner parfait. Qu'est-ce qu'il a fait là, Mireille Mathieu là, il est en train de coiffer ses cheveux ou quoi, c'est pas possible là. Oh non, on va partir à quelle heure, c'est un gueudin lui. Ça fait du bien, un peu de frais et puis c'est... Deux melons, une tomate, oh, vous plaît. Et il y a 3 heures de route là. Si tu te maquilles et tout là pour 3 heures, c'est bon, ça fait 6 heures en tout d'attente là. On va arriver, c'est bon, les bestioles seront déjà couchées. Hein. Putain, le vas-y, lui. La prochaine fois, tu te lèves à 3 heures pour être prêt à 6 heures, tu vois, tranquille. Bon, allez, c'est qui part? Allez, on va aller aux os. Et j'ai ce qu'il faut pour les os. Ah, allez. Ah tiens, le gueudin, t'as oublié ton t-shirt? Hop, merde, ça va, c'est là. Allez, j'ai des restes de corps humain pour les lions et les tigres. Eh ouais, ils sont refermés. Bon, allez. Hop, c'est qui part. Hop. Bon allez, t'es prêt mon frérot? Si, au taquet. Au taquet. N'oublie pas que ça fait 3 heures que je t'attends, c'est bon, je suis prêt moi depuis tout à l'heure. Oh pauvre chouchou. J'ai eu le temps de faire. Pauvre chouchou, t'es nana. J'ai eu le temps de faire mon jogging. Style, toi faire un jogging. Voilà, c'est de mes fers. On est parti. La glacière avec la viande. Voilà, bah oui, j'ai pris des côtes de porc pour les lions. Voilà. Il va déjà perdre un doigt avant qu'on parte. Voilà, voilà. Elle est bien calée là. Voilà. Et voilà, bon, c'est parti. Voilà. On part du pays. Spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. And wasting most of their time glorifying days long gone behind. And wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who are they? Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information,
to the evils of the world and spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who are they? Come to be, how many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation. Confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in the past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Faire ça là. Ça y est, nous voilà dans la place. T'as pris tes cuches? Ouais, c'est Eros, c'est bon. Voilà, c'est bon, on est dans la place. Bon, on va au zoo de la chefflée. La chefflée. Même pas de monde. Hein. Le parking est plein. Filme plutôt le nom du parking où on est. Voilà, on suit les gens, sinon on va se perdre. Ah ouais. La vue. Juste l'autre côté, on l'aura mieux vu. Pourquoi ils ont foutu du machin rouge? De quel machin? Parce que les oiseaux, ils sont en travaux. Ils font un chantier. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Bon, on continue notre visite. Ah ouais, on le voit mieux là, attends. Ouais, t'as vu, t'as vu. Regarde Mimi, il existe. Voilà. Non, je chante pas la Marseillaise non plus. Oh putain, une fois. Alors j'écoute. Il parle pas ou quoi? Ah putain, attends, va pas. Allez, tourne la tête, tu vas passer sur BFM. Je suis journaliste. Ah, il y en a un autre derrière, j'ai pas vu. Ah, ça y est, ils se lèvent, ils ont faim. Ah, terrible. Ah, la belle prise de vidéo là. On va les laisser tranquilles, hein. ils vont faire un petit là-bas. Il y a un là-bas. Je l'ai vu. Voilà. Il est en train de se pignoler. Non mais je vois que t'as le grillage devant le nez. Non mais si j'ai de là-bas.
Oula. Ah ouais. Il y a une tête à Macron, celui-là. Bon, ouais, c'est... regarde, oh, fais là. Putain. Ouais. Il a le même fion que lui en tout cas. Il a quoi? Oh là là. Eh vas-y, on monte dessus. On va faire du rodéo de girafe. Eh, tu sais, c'est le truc quand t'es gamin qui fait poète poète. Eh hey, Sophie, la girafe. Eh hey, Mister la guépard. La guépard. Eh hey, oh. Les deux. Eh, fais dodo. Les deux sont chez père. Les yeux sont fermés. Ah, il a dû faire la jaille hier soir, donc il est naze. Oh, ouais. Aller et il fait dodo. Voilà, maintenant t'as les girafes, là, les jouets qu'on avait quand on était gamin. Il faut être poète poète. Eh, vas-y. Ouais. Tu sais, au pont de Scorff, tu peux leur donner à manger aux girafes. Ça y est. Ça y est, je l'ai dans la prise vue. Un singe qui essaye de se faire la malle, de quitter le zoo. Il observe à qui va lancer sa demeure. Voilà. Mais attention, Tarzan n'est pas loin. Avec Jane. Ah ouais, il est descendu, c'est pour ça que je l'avais plus dans l'angle de vue. Il est où? Cherchons. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Voilà. C'est clair, dans tous les sens, ils auraient dû mettre un sens de visite. Ouais, bah oui. Bah oui, c'est un vrai labyrinthe. Il n'y a pas de sens de visite. Donc on va se paumer. Donc on va aller demander à l'accueil s'ils n'ont pas un GPS du zoo. Alors ici, c'est quoi? Kangourou. Ah ouais. Bon. Il y a une grosse bestiole derrière, c'est pas les hippopotames, ah, les rhinos, les hippopotames, je sais pas, il y a un truc bizarre, quoi. Ouais. Et là, il y a quoi? Des branches. Des branches. Voilà, bon, donc on est venu au zoo de la Flèche pour visiter du bambou. Du bambouseraie, voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'est un zoo de végétation. Si vous comptez voir des animaux, c'est mal barré. Ouais, y'a rien là-dedans. Bah non, interdit au public. Bah tu veux les aider, les maçons. Bah. Ah bah si, il est là. Il était pas là tout à l'heure. Bah non. C'est un émeu, ça. C'est un émeu, ouais, ça. Je crois. Non, une autruche. Non, un émeu. Il va attaquer au zoo à... Ah ouais, sauvage. Tu t'embrouilles à pleine sauvage avec un émeute. Et voilà. Ah bah oui. Ah si, c'est un émeute. Ça vient d'Australie, ça. Voilà, là on approche des hippos. Les hippopotames. Voilà, présente-nous. Juste au bord, on va profiter. Ah ouais? Ah, d'habitude, les hippos, ils se cachent, non? Alors. Hop. Bon, sors la tête de l'eau. Oh, ça va bien finir par respirer. Regarde là-bas dans le fond. Ah ouais. Il y a le reflet de la vitre. Ah, on ronge la vie, baisse. Même pas de filmer. Tu disais quoi, là? Une gazelle? Non. C'est une gazelle loup renard. Bon, il est où? Ouais, comme le loup. Fais le cri du loup, il va peut-être venir. Ça sent la weed.
Ouais. Alors, surtout ne le dites à personne, mais il y a un plant de cannabis dans le coin. C'est clair. Ouais. Ouais, ça sent la bœuf. Dans ça. Putain, il y a un plant de bœuf qui est de part. Ah, le v'là. Vas-y, vas-y, voilà le loup là. Le loup, girafe. Ah, mais il est loin. Et on était là-bas, putain. Ah ouais. Voilà, regardez, hein, les pauvres bêtes sont en prison. Ils sont au habs. C'est le pénitencier, voilà. Eh, ça te dit, en attendant que je fais le tour du zoo, toi tu vas t'amuser. Regardez, il est en train de serrer la porte. La boutique est cassée, hein. Puis c'est pas trop fin d'aller dans un shot pour handicapés. Vas-y, je me cache, je le laisse en plan. Vas-y, j'ai pas la tour, moi c'est de la merde. J'ai cassé, hein. Allez, on continue le chemin. C'est là en plus. Y'a quoi là? Grizzly. J'espère qu'on va le voir. Ah, le Grizzly. Où est ce Grizzly? Doucement. Ah ouais, on se croirait en Alaska là-dedans. Ah ouais, c'est exactement le même repérage qu'un Grizzly. C'est vachement bien fait, ouais. L'environnement. Bah, mais c'est pas possible, hein. Ouais, l'environnement, il est... Ça fait deux fois. Bon, il est où, cet ours, cet ours? Ah, là-bas, ouais. Oh, oh le machin. Oh, le machin. On fait un frère des ours. Oh, il y en a un deuxième. Regarde comment ils sont beaux, mon gars. Ouais. C'est ça. Ils sont magnifiques. Wow. Arrête de crier. Non, non, tu attends, tu attends. Elle est où? Doucement, doucement. Bon. Ah, c'est la cave à vin des ours. Eh, mais si on peut y aller par là? Quoi, c'est... Eh, vas-y, là. Ah ouais, ouais, on peut... Eh, on passe. C'est un squat. Eh, c'est... Ah, eh, on va être nez à nez avec un grizzly, on va pas faire le fier. Tu vas te lever d'un coup, tu te pousses la tête dans le plafond. Ah ouais, c'est pour sortir là. Ouais. on vient boire l'apéro. Putain, on est chez les Hobbits ici. T'as mal le plafond, moi, chez... on est chez les... Ah ouais, on est chez les Hobbits là. Ah ouais, mais on les voit pas, ils sont loin. Eh, on repassera pour voir si on les voit mieux. Mais j'ai réussi à filmer bien les grizzlies tout à l'heure. Ouais, ils ont un super environnement. Ils sont en haut, là. Ah ouais, attends, ils vont descendre, là. Il est derrière le bosquet. Il est vu passer. Ah, putain. Maman non plus, il va pas. Ah, il est loin. Se cacher, ouais. Mais peut-être tout à l'heure quand ça, c'est faire plus chaud, ils vont peut-être descendre, quand il fera plus chaud cet après-midi. Peut-être l'air. C'est ce qui est chiant dans les zoos, des fois t'as des animaux qui se montrent pas ou ils sont loin. Ouais. Et ouais, c'est relou quoi. Mais bon, on repassera tout à l'heure. De quoi? Tu disais quoi? Je vais passer, je vais les attirer. Tu vas passer, d'accord, je vais te faire la courte échelle. Donc, Aurélien, avant que tu passes là-dedans... Je lègue ma montre à celui qui la trouvera dans le caca de l'ours. Non, c'est... J'y vais. Et du coup, voilà, donc je te fais mes adieux, parce que si tu reviens pas, c'est au cas où. Merci. Donc, ou alors tu sautes. Ça va, c'est pas profond. Tu casses une jambe. Bon, ouais, mais hey, tu préfères finir à l'hôpital ou au cimetière? Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Ouais. Oui, c'est un gros chat. C'est un gros chat. Ah oui, il y a en bas aussi. Regardez, il y a du public. Ça se trouve qu'on verra mieux d'en bas. Bon. Le petit foutu du samedi. Ah bah tiens, on est en bas. Regarde, il est là. C'est un opossum, ça. Un opossum. Nous voyons qu'il connaît très bien ces animaux. Non, mais non, je déconne. Je fais...
Mais non, un opossum c'est noir. Voilà ce que c'est, bah on ne sait pas. Ah si, c'est à respecter leur bien-être. Voilà. C'est une nouvelle race animale. Ouais. Non et pourtant je regarde beaucoup de documentaires animaliers, mais là, ceux-là, c'est. Je ne sais pas c'est quoi. Oh c'est des chats mexicains. Mais... hey, c'est mignon ces machins. Tu tapes la pause. Ouais. Elle a bien regardé direct. Ouais. L'écran. Ouais, ouais. Ah ouais, il y en a un autre qui suit. Eh, là, sa frangine. Oh, machin, va tomber tout à l'heure le téléphone. Il va te le faire carnat par le. Ah ouais, bah comme ça. Par comme le rinçage mexicain. Ça, ouais, comme ça, s'il tombe dans le truc, bah, ces animaux vont faire un selfie. Mmh. Et voici, voici le Jaguar Hondi là-bas. Hein ? C'est bizarre que c'est lui en bas. Ils sont en train de boire une bière. Ah ouais, là. Ah bah si, ils sont là, les canards. Bah c'est pas, c'est pour les canards ici. Il y a un truc sous l'eau d'ailleurs, c'est bizarre, puis les mouvements de bulles là. Ouais, c'est. C'est un alligator. Regardez ça, parce que les canards, ils vont pas se faire chier sur les cordes. Regarde, c'est un alligator, t'as Crocodile Dundee qui est là-bas. C'est le tigre. Le tigre ? Il fait de l'apnée, le tigre. Ah, moi je crois que c'était l'enclos des canards. Attends, viens, on va peut-être. T'attends, on va peut-être passer par là, on va voir. Regardez. Les chats pêcheurs. Hey. Voilà. De tortue. Bah oui, il y a une tortue là. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les pélicans, ça. Pélican, dit cygne de Bamako. C'est ouais. Très rare. Très rare. En voie de disparition. Style l'autre, il connaît toutes. Nous n'en voyons qu'à ça. Déjà, c'est parti. Eh, vous voyez, Adam. Il y a un panneau là-bas, on va savoir ce que c'est. Ouais. Des grosses poules. Oui. Des grosses poules. C'est des dindes. Des poules d'eau. Non, c'est bon, ça. Tu suis dans le cul. Hein. Il donne chair à saucisse. Oh, bah, oh, bah tiens. Super. Ah, bah, ouais, super. Ouais, ton petit suisse. Ah, bah là, le petit suisse. Heureusement que j'ai pas mangé. Ah, putain. Panda rôti. Ah, il y a un aigle. Non, c'est présentation de oiseaux libres. Ouais. Rhinocéros, machin, tout ça là. Il y a la loutre à Pexiglas. Non, à Play l'H10. Ah ouais, non, Pexiglas. Voilà, on continue notre chemin. Oh, il y a un autre pré là. Oh, regardez cette vallée là. Ah ouais. On va être bien, on va poser un petit barnum. Un petit barnum. Vente de bière fraîche, on va faire un carton. Ah, c'est clair. Et les premiers clients seront le rhinocéros indien. Mais où il se cache ? Parce que là-bas, c'est pas rhinocéros. Hein. C'est non! C'est un espèce de cheval poney, là. Le cheval poney. Ouais. Rhinocéros indien. Et là-bas, t'as des. Eh, c'est un rhinocéros qui fume du calumet de la paix. Mais il est où, ce rhinocéros? Et là-bas, t'as des espèces de gazelles, je sais pas quoi. Là. Des gazelles. Aussi, des biches, là. C'est des. C'est Bambi. Bon, le rhinocéros indien, t'inquiète, ça fait tout le tour du truc, le prix. Zoologue. Bon, on va se poser un petit peu sur le banc, là. Voilà, la mode bien. Hein? Un petit piaf, là. Oh! C'est pas mal à bouffer, mais ce qui est chiant, c'est le bec. Non, je sais pas. Eh, une grande cage, tout ça pour des petits osios. Ça fait du bien de ce zépo. Devant les piafs, voilà, et regarde le Bombay et le Glaude assis. Voilà, alors la visite n'est pas terminée, mesdames et messieurs. Là, vous allez voir encore. Là, on va aller voir les rhinocéros. On a fait qu'un hectare là, il en reste encore 12. Je pense qu'on va prendre un vélib, faire le tour. Ouais, ouais, et puis un skate pour descendre les pentes parce qu'il y a des pentes qui tournent un peu à la freestyle quoi. Et une pause, bien sûr, et une pause de canette, n'oublions pas. Ouais. Et ouais, dans sa petite banane, il y a les bières.
Attends là. Ah, il y a le Tosma là. Il y a le Tosma. On se roulait un petit ouinge avec les bambous qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on se fait un bang. Peut-être tu le mets dedans et. Tu as allumé de la paix. Avec 2-3 pièces dedans. Voilà, parce qu'on est en face de ça. Donc, à tout de suite pour la suite des aventures de Roca et Aurel. Donc, voici un poulet prêt à brochir. Moi, parlez bien la France. C'est un poulet à tête bleue. Et si on peut apercevoir ses petites couilles, je crois qu'il y a des... elles sont bleues aussi. C'est assez... Et là, vous allez voir. Voilà. Nous avons Bambi et sa famille. Ouais, ouais. Il est où, Pampan? Il a pris une cartouche. Voilà. Dans le fond, le blanc. Le blanc? Bah, la tête rousse, là. Bon. Ouais. Tourne la tête. La tête. Voilà. Ah, voilà. Il est en train de te chipper le crignon, là. Voilà. C'est le cri d'Aurel du 9-2 quand il est vénère. Oh, tu t'es foutu de sa gueule aussi. C'est un soupe au chou. T'as vu le gogoulier qu'il a? Ouais. Putain, ils font des bruits chelous. Bah, t'as vu son gros gougoulier là. Ouais. Ah, j'ai tout compris. Il a dit dégage de mon fil, c'est à moi. Ils sont en train de s'embrouiller. Ouais. On va le foutre à coup de patte. Bonjour. Bordel. Voilà. Aurel quand il est énervé. Ouais, mais là voilà le panda roux, mais on le voit pas à cause des branches. Et quand ça va, on voit pas à cause des branches là. Je vais aller au local chercher une tronçonneuse. Mais toi, t'es paysagiste, toi. Tu vas prendre ton taillet. Ah, t'es... Ah, je vois pas. Il est caché. Il est allongé sur sa... De quoi? Dès qu'il souffle dans un goulot de canne. Ouais, c'est clair. Bruit de chelou. Hein. C'est des singes. C'est des singes chiens. Ils aboient. Ou ils ont bouffé un chien. Oh la vache. Des bruits de console. Des bruits, hein. Attends, il y a de la mer là-bas. La mer. La mer. La mer. Oh. Ah, ça donne envie de se baigner. Hey, y a quoi dessous? Ah. Ah, c'est les tigres. Ah, ok. Ah, il est là. Là-bas. Oh, c'est bon.
Eh, hey, vous allez vous calmer là, s'il vous plaît. Ah, ils sont là-bas, attends, vas-y, vas-y, par là-bas. Vas-y. Oh, les tics sont passés par là. Ah, le temps était pas frais, ouais, ils sont passés. Tu crois que j'ai coupé une patte pour faire les tasses? Non. Ah, ah. Derrière. Et arrêtez de vous cacher dès qu'on arrive. C'est le mâle et là c'est la femelle. Allez, vous se calmez, vous se détendez. Bon. Il n'y a pas une autre gaz par là. Vas-y, hey, vas-y, tant que le tigre il fait son tour, toi tu t'allonges et tu bronzes. Voilà. Voilà. Obligé. Obligé. Allez, monsieur le Sherkan. Allez, viens là, Sherkan. Dans la jungle. Non, non, c'est pas ça, c'est. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bon alors, il est où là? Viens là, le tigre. Tout à l'heure, tu savais faire le bruit du singe, tu peux faire le bruit du tigre pour l'attirer. Voilà. Ah, donc voilà. Ah, voilà, Sherkan, mais bon, il est trop loin. Mais c'est pas lui le plus balèze, quoi. Oh. Il y a quoi là-dedans? Ah, les goûts, les biquettes. Les biquettes. La chèvre de... La chèvre de Monsieur Seguin. Mais il y a encore de fous psychopathes là-bas. Ils mettent l'ambiance. Hein. Ouais. Ils vont réveiller le voisinage, là. Ça va avoir des portées plaintes, ouais. J'espère qu'ils sont pas comme ça après 10h du soir. Ça va être bordé, c'est vrai. Ah merde, j'ai vu tout à l'heure ce que c'était. On dirait un cheval à mi-cheval. Mais non, c'est... Si, c'est un mi-cheval, mi-chameau. C'est, tu vois, c'est une licorne. Il y a la bosse de licorne. Mais c'est tout un drame. Oh, ah, voici le gardien d'entrée. C'est combien l'entrée? Oh, comment il me regarde vénère. Ouais. Il est pas très commode, celui-là. Et voilà les rhinos. Ouais. Allez. Oh, regarde. Les rhinocéros indiens. Hop. Souriez, vous passez sur BFM. Et en fait, ici, ils ont des bons environnements, les animaux. Ouais. Ça me donne envie d'aller me baigner, tout ça. C'est un peu crade, hein. Pas là-dedans. Mais tout à l'heure, dans l'eau, il y avait des tigres. Tu vois, il y a des machines à canettes partout. Ah ouais. Tu filmes... Hein? Tu filmes les touristes. Là, on arrive aux loutres. Ah, elles sont là. Elles sont là. Elles sont dessous. Là. Ah, là-bas. Attends, j'arrive. Ah ouais, ouais. Putain, les kicks ça fait, c'est tombé. Ouais. Putain, les chicots, putain, ça chip ça. Ah, c'est pas tendre. Hein.
Voilà. Ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Hein? Elle sait que j'ai vu leur cousine dans les autres zoos. C'est pas qu'elles viennent. T'as toujours leur odeur d'eux sur les fringues. Ah, je crois qu'ils aiment pas être filmés. C'est mon micro. Je vais les blouser avec mon micro. Ouais. Ça tombe pas, hein. C'est... Je fais les loups, ça mort. Non, ça fait, ça change très fort. Allez, moi, les trois frères. La quatrième derrière, c'est à mon tour. Ah, les Dalton. Ah, ça y est. Ah, c'est bon, ils sont là, ils sont tous les quatre là. Ah. Lequel qui fait le plus grand cri? Et là, on rentre dans la volière. Dans la volière. Ce sont des serpents. Ouais. Ça va faire bon là-dedans. Ah, la vache. Ouais. Je suis toujours Booba. Ah, du tout là-dedans, c'est de la gueule du monde. Ah oui, il y a quoi là-dedans? Ce sont les pigeons. Les pigeons. Mais non, mais... Si, normalement, il y a des trucs, mais ils sont où? Ah, on a pris le truc. Merci. Merci. Et nous ressortons de la volière où il n'y avait rien du tout. On peut pas passer. Ah oui, bah fallait attendre que pour voir. Ouais. C'était moi, j'aurais pas de bien. Un individu adulte car il possède la collerette entièrement blanche. La collerette que ce petit bavard à la base de Solongou. Pour les motos qui m'attirent, sa collerette est plutôt brune. Et il a fait la maturité sexuelle car on connaît avec 17 ans. Et moi, atterrir dans cette belle collerette blanche. Allez, on va pouvoir l'étager à l'infini et les voir au génétique. C'est avec lui que l'on va refermer la page des rapaces, même si les motos auront envie d'aller jusqu'à la fin du spectacle. Et on va accueillir un oiseau totalement différent, qui fait partie de la famille des bucorbidés. Alors, qu'est-ce qu'un bucor? Je vais vous expliquer qu'elle ne fait pas grand-chose. Le temps pour lui est de monter sur sa traîne et de nous rejoindre. Allez, le voici. Voici Franky, notre canal terrestre d'habitude. Franky est en 2012 de zoo parce que de Beauval, il nous a rejoint l'hiver suivant, car bien sûr nous nous faisons des échanges de parc à parc. Nous sommes très fiers de vous le présenter aujourd'hui. Deux espèces de calamitaires, celui d'Alicini comme Franck, ici présent, et celui de Mec déjà. Sinon, d'ici, t'as pas de vitre, là. Ah, le vautour, si je le vois bien. Ouais, sinon, ici, t'as le grillage, on peut voir. Ah, si, si. Il y a le maître du ciel. C'est beau, un vautour, quand même. Eh, tu sais quoi? Non, vous non. Vous ressemblez. Non. Je savais que t'as une certaine connerie. Et là, ah, un portier. Entrez. Merci, merci. C'est combien l'entrée? C'est 10 balles ou tu dégages. C'est combien 10 balles ou tu dégages? Je ferme.
Vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais te foutre un. Tu sais quoi? Je vais. Viens, on va se battre dans l'eau. Tu vois là? Personne rentre. Tu vois. Il a fermé l'autre. Tu sais quoi? Ah, il fait bon là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ici? Bon, il y a de la végétation, ça c'est sûr. Ah bah si, un pigeon. C'est l'enclos de cette jeune fille là-bas, qui est toute seule, perdue au plein milieu de la nature. Bon alors, poteau, on fait sa sieste. Avec la frangine, je sais plus quel zoo là. Ouais. Elle était assise sur la barrière, les muriers est monté dessus et tout. Ah, ça a l'air d'être tout doux ça. Donc c'est parti, voici notre sportif oral du 9-2 qui va nous faire de la corde. Eh oui, la corde en l'air, vas-y. Non, c'est pas du jeu. Il est parti. Et un déserteur. Bon, il y a quelque chose là-dedans. Mais il fait beau, ils sont avec dehors les trucs. Oh, attends. J'ai cru voir bouger là. Eh oui, il a vu un tronc d'arbre bouger. Non, c'est... Ah. Oh là, c'est pas extrait là. Oh voilà, la caméra l'a bougé. La caméra l'a bougé. Makikata. Makikata kata boudik. Oh là là, des aigles. Des aigles. Oh, regarde, il y a un faucon là. Bah, regarde, t'es chelou celui-là là-bas, la grille là. Ah ouais. Ah ouais. J'avais dû faire l'amour. Voilà. Ça ne va pas l'ombre. Ah si, il y a un être vivant. Ah ouais. Voilà sa piscine. Alors présente-nous, qu'est-ce que vous allez faire comme fille? Vous avez... Qu'est-ce que vous allez nous préparer comme spectacle? Ce sera des danseuses. Oh, des danseuses venues d'où? Des sirènes de part et d'autre du monde. Des sirènes de part et d'autre du monde. D'accord. Alors, donc là, on vient de se restaurer, parce qu'il est midi passé. Et perso, c'était bon, mais bon, j'avais pas trop la dalle, mais bon, voilà. Il faut que j'aille caguer maintenant, j'ai trop bouffé. Ouais, c'est joli ici, hein. Eh, j'ai envie de me baigner sa mère quand tu vois la piscine. Ouais. Bah moi je vais me baigner dans la piscine, toi tu vas te baigner dans l'eau des hippopotames. Allez. Pourquoi? Il y a quoi là-dedans? Ah, il est là. Ah, ouais. Ah, les reflets des vitres aussi. Ça va être vide. Ah, ça va être vide. Voilà. Et pourtant, elle est pas là. Bon, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient de se restaurer. Donc moi, comme prévu, j'ai mangé de l'antilope. Mais mon poteau frérot ici, il a mangé de l'hippopotame. Et du poney. Non, de l'hippopotame. T'as mangé... J'ai fait un 2 classes d'âme. Ouais. Et t'as gardé la dent que tu l'as mis au fond de ta boue, ta cheveux. La grande dent d'hippopo.
Bon. La défense, bien. La défense, bien. Bon, je vous dis, c'est le canular ici, c'est la canicule. Il fait chaud, il fait beau. Putain, quoi, on a vu la piscine tout à l'heure, ça. Ah ouais, c'est cool. Ah, les loups polaires. Ils sont où ? Les loups polaires en pleine canicule. Ouais, c'est clair, hein, ils vont fondre. Les loups ! Les loups, les loups ! Putain, les loups, ils sont où ? Là, comme on fait ici, là-bas, rare. Ah oui, d'accord. Ah, c'est trop loin, ça. Ah, ils sont chiants, les animaux, ils se montrent pas. Ouais, mais attends, il y a une petite qui a dit tout à l'heure. Ah, mais il est pas là, Harry Potter. Ah, j'ai rigolé, je te jure. C'est mignon, les petits enfants qui disent. Qui, tu sais, qui. Comme, tu sais, c'est comme une fois, on est allé aux The Ponds Corf, et puis j'étais avec Arnaud, là, et puis à un moment donné, j'ai dit comme ça, bon, il est où l'enclos du T-Rex? Et puis t'as un petit derrière qui dit, maman, il y a des dinosaures. Je te jure. C'est trop fort quand t'entends ça. J'ai vu un truc de flotte tout à l'heure, mais je voyais rien. Ouais, j'ai pas bougé, là, train de faire des... Voilà l'ours polaire qui se baigne. Ouais, il est bien. Mais ils ont bien fait les environnements là. C'est... Attends, ouais. Ah voilà. Attention. Ouais, c'est clair. Ça, c'est balèze ça aussi. Hein. Ça, on est sous l'eau. Je sais pas si tu verras dessus. Non. On voit rien. Non, on voit rien à travers là. Putain, il donne envie de se baigner lui. Ouais, donc après avoir vu Jurkan, et ben voilà, Bagheera. Bagheera qui est là, qui est couché. Ouais, dommage qu'il n'ait pas tourné du bon côté. Ah ouais, il est là. Ça pouvait se retourner. Ouais. Ouais, on se choque nous, je crois, les animaux. Voilà. Ah, je crois qu'il a des puces. Il fait de la trompette. Il fait de la trompette, lui. Ouais, c'est un gamin trompette. Oh, des flamants roses. Non, c'est même pas des flamants roses, c'est des ibis rouges. Des ibis. Ouais. Ah oui, il attaque des trucs sinon. Ah non, les flamants roses. Ah non, mais ça aura plus des bébés. En bas, t'as un lapin. Oh, c'est. Oh, il est bizarre. Un mi-lièvre, mi-chien. Merde, je sais plus comment ça s'appelle, il y en a plein dans le. Voilà une nouvelle espèce. Ah, il est en train. C'est un singe écrivain. Il fait les poux et autres. Il fait, c'est un coiffeur. Ouais, ça se voit. Ouais. C'est Jack de Frange. Ouais. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il y en a un autre en fait en dessous de lui. Il est en train de sodomiser. Ah non, il se pignole. Il a les pattes écartées. C'est un truc chelou.
Toi, on va où on est perdu. On est perdu. On est perdu. C'est quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Il y a. Bon, il y a rien là-dedans. Vas-y, on passe par où? Bah, tu sais, on part en arrière. Tiens, filme. Bon. C'est pour ton tour. Voilà. Voilà Dumbo. Là, il a arraché une citerne. Elle est à côté, là. C'est comment la marche des éléphants, déjà dans... Ouais, c'est... Il a dû désosser une voiture, t'as des pneus, là-bas. Oh, il fait un bain de poussière. Il y en a qu'un éléphant. Ah là là, le tigre blanc. Ah, celui-là il se montre. C'est pas comme les tigres rouges de les tigres de Sumatra tout à l'heure. Il est beau. Putain, c'est la première fois que je vois un tigre blanc. Oh là là. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Voilà. Voilà. T'as le tigre. Viens. Viens, ça va. Maman, viens voir. Je suis là. Ah oui. Hein, mon poteau. Eh, nous sommes à la marche de l'empereur. Oui, mais ça a l'air d'un état lourd, ça va être tout droit là-bas. Eh, c'est pas les manchots. Voilà. Il bouge même plus. Fait chaud, hey, fait chaud. Ça sent pétain. Et là. Et il a crampé, il bouge plus. Ah ouais, il fait la pause. Attends de voir toute cette flotte, il va pouvoir aller dedans. Ouais, bah monte sur le planton là et puis tu sautes. Ce planton en plus c'est lui, ça sent pas le ouais. J'ai une patatine. Un manchot dans l'eau. Sur place. Un tout petit. Ouais. Hein. Ouais. On a fumé. Ah, il est en train de se faire... Il se fait un bang. Il se fait un bang. Ah, regarde ce qu'il bouffe. C'est là. Une petite puceron. Là, le petit puceron. Ouais. Ah, il est bon ton calumet de la paix. Vous savez, les perchés se frottent l'œil. Grizzly qui remonte. Ils sont revenus au Grizzly parce que tout à l'heure on les a vus un petit peu, mais. L'autre groupe.
Hein ? Il va être là-haut à tous les coups où on vient de passer. Ils sont tous partis. Et voilà. Là on les voit bien là de face. Ouais. Ça c'est super. Il y a son. Waouh. Oh putain, les yeux que ça. Eh, ça a les yeux d'un vampire ça. Les yeux rouges. C'est des ours Dracula. Tiens, regarde, il est là. Oh, regarde. Ouais. Regarde. Ah, là, on les voit mieux parce que tout à l'heure, on les voyait pas terrible. Il est en train de sortir. Ouais. Là, lui, là, il est en train de sortir une odeur. Ça fait penser à la croix de voyage quand t'as. Merde. Ah, ouais. Chance qu'il lève les pattes et tout. Oh, dinosaure. Entendre. Ici. Par où tu vas toi? Attends, tu cherches les hommes et les singes? Non, j'en ai un à côté de moi. Enfoiré. Enfoiré. Ramène un singe, il est sorti de son enclos là. Ah, on les a pas vus, les opossums. Non, je rigole. Oh putain, il m'a fait peur ce bâtard. C'est terrible. C'est chelou les cigognes ici. Hein. Les cigognes. Les cigognes. Eh, t'as vu la coupe afro? Hein, t'as vu la coupe ici? Eh, on a la même. Eh, ouais, t'es. Ouais, regarde, il a la même, t'as vu? Tu vas nous chier dessus, fais gaffe. Eh, qu'est-ce que j'allais dire? C'est qui ton coiffeur? Hein? Oh là là, la Jackson 5. Hein? Bon allez, salut les perruches postales. Et oui, nous sommes perdus en pleine cambrousse. On a réussi à trouver des arbres à cigares. Des cigarillos, cigarillos papa. Ouais ouais, nous sommes, je sais plus, si on est en Colombie ou en Somalie. Chez Rastapopoulos. Ah ouais ouais, parce que attention, il y a peut-être un tigre dans les parages. Bon, on se recap tout à l'heure si on est toujours en vie. Allez, la petite biquette. Je regarde une autre biquette. Ah. Et... Fais la chèvre. Il n'y a pas de mais. Ah non, mais c'est pas des vaches. Là, on est en mode. On tease. Bon, pas d'alcool, bien sûr, mais parce qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Hein. Tropico coco. Tropico coco. Et moi, c'est Fantatata. Normal, le Fanta, c'est pour les tatas. Ah ouais, et Tropico, c'est pour les bozos. C'est pour les gosses beaux. Ah, comment ils la pètent, tu vois? Comment ils la pètent? Ouais, ouais. Ouf. Encore des games, ça me saoule. Ah, dégage, toi, putain de salope. Voilà. Putain, c'est bon la baignade? Ils sont balèzes quand même, hein. T'as vu la peau cuir, épaisse ouais. On peut faire des chaussures avec. Je me rappelle quand j'étais en Birmanie, là, on mettait des coups de lance et on n'arrivait pas à les tuer. Bon allez, salut les potos. On a trouvé quelque chose. Par contre, faut pas... C'est ça. Ça sent pas beaucoup, ça fait du sang, genre. Tu laisses plus ou pas, mais bon. Il faut qu'on trouve la bonne tête. Il y a de la bonne tête. Vas-y. Ozo, il y a de la weed. Sniff. Ah ouais. Ah, elle est trop. On t'en sort, si t'en piques, tu vas te faire couper les mains. Elle est trop fraîche, elle se met pas la vue, c'est bien. C'est du chanvre textile.
quoi ils en ont mis, mais il y a de la vraie quelque part. Et oui, on est. Je suis herboriste Rodriguez. Vas-y, on va s'en mettre plein les poches, c'est bon, on peut arrêter notre métier. Hein, on va vendre ça, tu sais. On va faire des paniers avec des chaussures. Hein, on va vendre ça au dealer de la flèche. On va faire des tongs en chambre. Des tongs en chambre. Yeah, yeah! On aurait monté sur une girafe après. Ouais, on aura fait du rodéo de girafe. En mode Indiana Jones. C'est plutôt les éléphants, lui. Nous, on fera Indiana Jones girafe. Indiana Jones girafe. Sur un petit girafon, tu vois, si on tombe, on a moins mal. C'est là, là, le truc. Des piafs. Des piafs. Quand il faisait voler ses oiseaux, t'as dit c'était haram. Viens, ah. Vas-y. Monte dans la poussette, je pousse. Ouais. Dans la descente. Dans la descente. On va te décroiser. Ouais. Ah! Là, des gros rats. Des rats à lapin. C'est les. Il est où le grand fourmilier? Il est parti. Là, c'est les mêmes machines. C'est un rat aussi. Espèce d'autruche naine. C'est une autruche. Ouais, c'est une autruche naine. Oui. Ah ouais. Bon. Ça se bouffe là, mais ils sont balèzes. Ouais. De quoi? Ils mettent au milieu, mais c'est pas au milieu. À part des. Non, c'est même pas une autruche, c'est un mandu. Ça ressemble. C'est des rastaquers, non, des. C'est mignon ça? Ouais. Bon, ouais, on en prend pour manger ce soir. Ça doit être bon au barbecue. Non, mais skin en boulette. En boulette. Couscous boulette de suricate. Ah, ah, il est mignon. Ah, il est mignon. De ce qu'on disait des rats, en fait, ça s'appelle un capybara. Très bon en ragoût. Très bon. Ouais. Très bon ragoût. Bon ragoût mariné à viande, bien mariné à viande. Enfin, la viande est bien marinée, elle est pas sèche. Et voilà un tapis. Hein? Un tapis extraterrestre. Vous voyez, nous savons bien lire. Un tapis extraterrestre. Et là-bas, c'est une caïra. Regarde, c'est une caïra. Ouais. 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 Eh, t'es où? C'est pareil, c'est un lapin comme les autres celui-là. Un lapin. Lapin. Regarde, hein? le tout petit là, là-haut. Le petit singe sur la plateforme. Le petit singe sur la plateforme. Ah bah y'a un autre qui arrive. Ah ouais. Ah oui là. Ouais, je sais pas si tu. Ils sont tellement petits les machins, ça y est. Ouais, c'est des Ouistiti là. Ouais, les ibis. Bon alors, c'est les tabous. Oui, le tabou assis. Tabou assis vendre. Et ça c'est porteur de maladie ça. Carapace. C'est, j'ai vu ça, ça, c'est d'Amérique du Sud. Ça, ça a l'air speed. Ouais. Ça ressemble au pangolin. Et ça, ça se met en boule. Pas les boulettes à manger. Là, c'est regarde. Là, là, regarde, il est là. Ça, ça marche vite tout le bordel. Bah attends, il y a un autre aussi là-bas.
Je l'ai pas vu tout à l'heure en passant. Tu sais, ça peut porter quoi comme maladie, ça? La lèpre. Ah ouais. J'ai vu ça sur en Amérique du Sud. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, ne pas toucher les animaux, pour éviter des problèmes de santé. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu. C'est marrant. C'est marrant. Hein. T'en mets sur chaque bras, c'est bon. Tu prends pour un ninja. La carapace. Trop chelou. Ouais. Le loup. Au revoir. Le revoilà. Ah ouais, il fait toujours le même chemin. Ah, le loup, on l'avait pas vu tout à l'heure, bah le voilà. Voilà, c'est beau. Ah, enfin, on a vu le loup, c'est bien ça. Oh frérot, tes impressions là? Ah bon. Nickel. Ah ouais, c'est bien franchement la flèche. Hein. On a fait 10 bandes 500. 10 bandes 500 à pied, sous un putain de soleil. Ah je peux vous dire, bah, ça fait du bien de marcher, moi j'aime bien marcher. Mais le truc c'est que sous le soleil, ouais c'est impensable quoi. C'est comme on dit, c'est bien de marcher, mais c'est le matin ou en fin de journée quand... Voilà quoi, mais bon voilà, après t'es dans un zoo, tu vas pas attendre que... Que le soleil se barre pour finir les sauts. C'est non. Donc voilà. Vous avez vu. Hein, donc du coup, tous les animaux qu'on a vus. Hein, franchement, ça fait plaisir. Hein, nickel. Ouais, c'était cool. Bon après, il y a quelques animaux que vous verrez pas parce que ces enculés ils se cachent. Les timides. Ils faisaient les timides. Là. Ouais. C'est con pour les tiques de Sumatra quoi, on les a vus de loin, c'est pour ça ça va être chaud, ça a été chaud pour aller filmer, donc voilà par exemple un exemple quoi. Mais bon, j'ai réussi à voir les tigres blancs, c'est déjà ça. Oh oui, c'est... Non mais voilà, ouais, ça fait plaisir de voir des animaux, surtout les grizzlies, ils m'ont impressionné franchement. Ouais. Oh, des beaux bébés quoi. Franchement, j'aimerais pas être en face. Ouais. Quand tu vois en vrai, ouais franchement j'aimerais pas être en face. Et puis sinon, on a notre petite piécette. Petit souvenir. Petit souvenir, à chaque fois qu'on y va, voilà, on se prend une petite piécette. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va à une bijouterie. On va voir si ça vaut d'oseille. On va voir si ça vaut d'oseille. Bon, voilà pour le premier Rascal. Donc, René de Rascal. Et puis, on va finir sur une petite scène des otaries que j'ai filmé également. Et puis... Et vous nous reverrez dans de prochaines aventures, peut-être avec d'autres personnes. Peut-être avec d'autres personnes et puis surtout des prochaines sorties. Voilà. Comme parce que on a encore du lourd à vous proposer. Allez, ciao. Ciao. Miaou. Voilà, on va aller voir les autres paris maintenant. Ah ouais. Mais c'est blindé de people. Grave. Ouais. Là, on va le voir. Hein? Car comme vous le savez, aujourd'hui dans la nature, de nouveaux dangers menacent.